Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme vous avez pu voir dans le titre, j'ai décidé de vous faire une journée avec moi, mais que je vous ai tournée sur Instagram. Donc si vous me suivez sur Instagram, vous l'avez peut-être vu, mais je voulais vous la partager également sur ma chaîne YouTube. Donc voilà. Donc la journée avec moi, je l'ai, comme je vous disais, filmée via Instagram. Donc je vais vous la partager juste après. Et voilà. Donc j'espère que ça vous plaira. Je vous avais déjà fait des journées avec moi sur ma chaîne de vlog, mais je voulais vous en partager une sur ma chaîne principale. Donc voilà, peut-être que j'en referai mes versions normales, on va dire. Et voilà, sur ce, bah, je vous laisse avec la suite de la vidéo et j'espère qu'elle vous plaira. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, ça va être une story un peu spéciale car j'ai décidé de vous faire une journée avec moi, mais sur Instagram. Donc j'espère que cette journée avec moi vous verra. Là il est 9h16, je viens de finir de m'habiller, j'ai fini de me préparer et je vais aller voir ma tante. Donc je vous emmène avec moi aujourd'hui et donc c'est parti. Alors il est 11h11, je viens de rentrer de chez ma tante. Là ce que je vais faire, c'est qu'il faut que je range mon bureau, faut que je lave mes pinceaux, faut que je découpe les photos pour mon activité de demain au périscolaire. Donc je pense que je vais commencer par ça, par les photos. De toute façon, je vais vous montrer tout ça juste après. Et voilà, donc je pense que je vais commencer avec les photos comme je vous disais. Et après, je verrai ce que je fais. Donc c'est parti. J'ai rangé sur mon bureau, bah, c'est ça. C'est mon dissolvant. C'est un petit peu ici. Ça, à ranger. Et ce que je vais venir découper, ce sont ces photos-là. Hop, donc je vous les montre comme ça. Elle m'a remis celle-ci alors que celle-ci elle n'y était pas. Mais bon, c'est pas grave. Hop, c'est peut-être moi. Et voilà, donc le thème c'était sur. Le thème en tout cas pour cette fois-là c'est sur l'école. Donc voilà pourquoi. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Et en fait, c'est pour un projet, c'est. Regarde, parle et écoute. Donc voilà, on échange sur les photos, on papote, etc. etc. Donc voilà, donc je vais venir découper tout ça et c'est parti. Mes petites photos sont découpées, plus qu'à m'en servir pour le projet. Donc là, je vais les mettre de côté et je vais venir ranger donc ça et tout ça. Donc c'est parti. Alors ça y est, je viens de finir de ranger mon bureau, ça va un peu mieux. Là du coup ce qui me restera à faire, et je ferai ça cet après-midi, c'est que je rangerai un petit peu ce qu'il y a sur ma commode et qui n'est pas rangé. Et je laverai mes pinceaux. Là ce que je vais venir faire, c'est qu'il y a une mise à jour qui s'est faite sur les Sims. Et du coup je vais aller voir si elle s'est faite sur mes Sims à moi, si tout est bon. Et apparemment, il y aurait de nouveaux objets, de nouvelles choses. Donc, du coup, je vais aller voir tout ça. Et voilà, donc, c'est parti. Il est 14h38. Là, je reviens de chez l'ophtalmo, car j'ai paumé mes lunettes de vue, en l'occurrence. Je ne sais plus du tout elles sont, si je les ai oubliées à l'école, si je les ai posées à l'école et que je les ai oubliées. Je sais pas, j'ai demandé à ma directrice de péri, elle les a pas vues, je les retrouve pas chez moi. Donc du coup j'ai pu, heureusement, aller en faire une autre paire. Donc voilà. Donc bientôt je les aurai, celle-là je vais essayer toujours les avoir sur le nez. Voilà, pour pas les perdre. Et voilà, donc là je vais venir laver mes pinceaux, je vous montre ça tout de suite. C'est principalement des pinceaux aux yeux que j'ai lavé, donc je vais faire le tri, je vais les laver. Et voilà, donc vous voyez, il y a celui-là, il y a celui-là, il y a celui-là, il y a celui-là. Il y a celui-là, je ne sais pas si je vous le montrer. Petit pinceau tout propre. C'est parti pour une petite partie d'Animal Crossing New Horizon. Let's go! Attendre que le poisson vienne mordre l'hameçon. Bon, je crois qu'il faut que je le repositionne, mais je vais attendre un petit peu. Donc là, je vais venir faire deux choses. Je vais venir me préparer pour ma vidéo de samedi la fin. Vous savez, en mettant les vidéos, les petits boutons, les fiches, etc.
et mettre à jour mon suivi de vidéos YouTube. Donc bah c'est parti. Là, j'ai fait tout ce que j'avais à faire et là je suis en train de re-télécharger des contenus personnalisés pour mes Sims car ils ont fait une mise à jour comme je disais avant. Et du coup, j'ai pas réussi à réavoir mes contenus personnalisés. Donc, est-ce que c'était un bug? Est-ce que je sais pas? Donc là, j'en télécharge un petit peu. J'irai re-essayer de voir si ça veut me les reprendre en compte ou pas. Et si ça veut pas me les reprendre en compte, ben, j'en re-téléchargerai encore. Hein. Voilà, tout simplement. Donc, je fais ça pour le moment. Nouvel épisode de Lucifer. Je vous reprends pour partager ma routine du soir. Donc, tout d'abord, je vais réutiliser mon nettoyant, donc le Neutrogena Pureté Pamplemousse Gel Nettoyant, que j'aime beaucoup. Et ensuite, je viendrai me faire un petit gommage, donc qui est celui-ci. Gommage gourmand, abricot de chez Yves Rocher, que j'adore. Ouais, donc je vais venir faire ça et après je vous montrerai le masque que je vais appliquer. J'ai mis mon petit bandeau que j'avais eu dans mon calendrier de l'Avent de l'année dernière de chez Action, que j'aime beaucoup. J'ai mis une pince pour le reste de mes cheveux et c'est parti. Et voici du coup le masque que je vais venir faire. Donc il venait de chez Action. Vous avez un kit avec un masque par jour. Moi je l'ai fait en fait quand j'ai envie. Donc voilà. Donc celui-là j'ai pris. Cette fois-ci, pardon, j'ai pris celui-ci. Et c'est parti, je vais le tester. Je le rincerai, je vais le laisser poser 10 minutes et je vous dirai ce que j'en ai pensé juste après. Alors, je vous reprends pour la suite de mes soins. Donc, comme je vous montrerai juste avant, j'ai fait nettoyage, gommage et masque. Là, je vais venir faire bah, du coup sérum que je vais venir appliquer avec, j'ai oublié de le prendre, mon petit rouleau comme ça que j'aime beaucoup, qui est très très sur la peau. Ma crème hydratante que j'adore et mon contour des yeux que j'appliquerai aussi même avec ce côté-là. Donc voilà, donc je vais venir faire ça. Et voilà. Je vais arrêter cette journée avec moi maintenant parce que pour tout vous dire, là, je vais faire mes soins et ensuite je vais me poser à regarder des vidéos sur YouTube ou à regarder Lucifer, je sais pas trop encore. Donc voilà, donc sur ce, j'espère que cette journée avec moi vous aura plu. Je vous souhaite une bonne nuit et je vous dis à bientôt. Thank you.